What's up? J'espère que tu vas bien, tout se passe bien, tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on fait les bras, mais toujours la même routine. L'élévation latérale hein, pour les épaules. Bien, je fais les épaules, j'aime bien avoir les épaules chauffées et congestionnées avant de bosser un muscle en musculation. Sauf les jambes, bien évidemment. Mais j'aime bien. Quand je bosse le haut du corps, toujours élévation latérale, je compte pas. Et je suis bien. En tout cas, j'espère que tu aimes bien hein, cette nouvelle série de vidéos. Un peu immersif, on parle, on discute, on fait ce qu'on a à faire et on progresse. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas fait que les bras, séance bras. Là, ça me fait du bien, sachant que j'ai fait les courses toute la journée. Donc là, je suis bien, j'ai pas le travail, le repos, mais bon, on a fait les courses, donc on a porté. On a déjà les bras congestionnés un peu, mais ça va le faire. Ça va le faire. Là, c'est les biceps, donc pas besoin de pré-workout, pas besoin de gros boost pour le début. C'est mon point fort. J'ai des bras qui sont relativement propres, relativement gros. J'ai pas du mal à congestionner au niveau des bras, ni même à les ressentir. Donc ça va très très bien se passer. En revanche, j'ai mon énergie gel qui est très important et que je commence à boire quand ça a commencé à piquer. Donc là, je continue à m'échauffer tranquillement en élévation latérale. Hein. Je continue. Et après, on va commencer ce programme. Parce que mes épaules ne sont pas assez chauffées. On n'a pas de pré-workout, mais mes épaules ne sont pas assez chauffées. Sachant qu'aujourd'hui, j'ai pas pris de débardeur. C'est rare. Hein. Je fais une séance bras, pas de débardeur, juste un t-shirt noir serré, c'est tout. En dessous. En tout cas, toute la semaine là, parce que là on est lundi alors je fais cette vidéo, toute la semaine je suis en journée. Parce que dans mon taf, c'est soit je suis en matinée, soit je suis en soirée. Mes journées, c'est ce que je déteste. Parce que tu vois, on a 1 heure de pause, je bosse 8 heures. Or que de base, matinée ou soirée, je bosse 7 heures. Du coup, ça va être chiant malheureusement. Premier exercice, curl biceps, barre Z, on va se faire 10, 10, 10 répétitions. On va le faire en 3 fois. 10 répétitions en large, 10 répétitions prise normale et 10 répétitions prise serrée. On va essayer de le faire 4 fois. Je rappelle, ça c'est un truc que je faisais beaucoup avant. Avant j'avais l'endurance musculaire pour bien tenir. Là c'est un peu plus dur. Mais c'est pour un exercice. On a de l'énergie. On va s'énerver et on va se battre pour faire ça bien. C'est parti. Prise large. Une. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je pose la barre. Prise large d'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Pose la barre. Prise serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. J'ai déjà envie d'enlever mon haut, c'est incroyable. J'ai déjà chaud là. Vraiment. Tu vois, les bras, je ne les bosse pas beaucoup, c'est mon point fort. Je les bosse moins qu'avant. Avant, j'ai bossé beaucoup, vraiment. Au moins 4-5 fois par semaine, voire franchement tous les jours quand je commençais à la muscu. Là, à chaque fois, je les fais un rappel en fin de séance. C'est-à-dire, je fais une séance dos. À la fin, je fais un, deux exercices biceps. Alors, je fais pas. Ou alors, je fais une grosse séance pec. J'aime bien avoir les bras congestionnés. Je fais un exercice biceps. Mais consacrer une séance entière au biceps, j'ai arrêté de faire ça, tu vois. Ce qui fait que j'ai perdu énormément en force, en endurance musculaire. Là, j'ai mal vite. C'est incroyable. Sachant que plus tu as du muscle en biceps, plus tu as mal. Et les biceps, c'est un muscle ingrat. Je pense que si tu as déjà bossé tes biceps, tu sais de quoi je parle. Ça fait mal pour rien. Les biceps font mal très, très vite. Il faut quand même continuer. Si tu as mal, ça brûle. Il faut continuer. Il faut continuer. C'est pas grave. Tant que tu peux plus.
Là, tu peux arrêter, mais si tu peux encore continuer, cochon, la douleur, c'est rien, c'est dans la tête. Les biceps, c'est vraiment un travail psychologique. Et là, je le sens, là, vraiment. Mais on va essayer de faire les 4 séries bien, sans retirer le haut, et après, on va retirer le haut. Comme ça, on pourra vraiment voir les biceps congestionnés de Gams. On pourra voir ça. Allez, c'est parti. Deuxième, prise large. On y va. Une, deux, trois, 4, 5, après ça, j'ai fait mal au poignet. 6, 7, 8, 9, 10. J'ai mal au poignet parce que la prise large, elle est droite, tu vois. Quand on arrive en largeur épaule, on a la prise de la barre Z, on est mieux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ok. Serré. La plus dure. Ah. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Ah, j'ai tout enlevé là. C'est incroyable. Ça me brûle. Ça me fait mal. Ça me fait mal pour mon dos. Là, je dis la vérité, j'ai mal. J'ai vraiment mal. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. C'est incroyable. Ça, c'est important, ces vidéos-là. Il y en a trop qui disent, oui, la muscu, ça fait mal. J'ai pas envie d'y aller, j'ai mal une fois. Les gars, j'ai tout le temps mal, moi. Tout le temps. Mais je suis là. Par contre, là, c'est une douleur que j'aime pas. De base, j'aime bien avoir mal. Mais là, c'est les douleurs de débutant. Tu vois, les douleurs, quand tu débutes, t'as mal et tu rentres chez toi. Moi, c'est ça. Là. On va rester. J'ai mal parce que j'ai pas enlevé mon haut aussi. Quand je vais enlever mon haut, ça va être mieux. Pour ça. Sachant que j'ai commencé avec un. C'est pas un superset, c'est pas un bicep. Ouais, si, c'est un bicep. Pas que c'est un bicep. Un bicep, trois exos, vraiment incroyable. Large, serré, large. Largeur épaule serrée, c'est incroyable. Terme de repos, je vais être à 2 minutes, je pense. 2 minutes. Et après, je repars tranquillement. Oh, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, allez, sept, huit, neuf, dix. Ok. Pose la barre, hop. Deuxième, allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Serré, serré. Je dois détendre un peu mes bras là. Serré, allez. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, c'est rien, six, sept, huit, neuf, dix, ok. Un pré-workout m'aurait bien aidé quand même. Ah, ça m'aurait bien aidé, vraiment. Tu vois cet enchaînement-là, quand tu mets une charge raisonnable, tu dois avoir 30 kilos en tout, tu es obligé de mettre de l'impulsion quand tu le fais. Tu peux pas faire le mouvement bien contrôlé, bien doucement, c'est mort. 10, 10, 10, c'est mort. Si j'aurais voulu faire ça, j'aurais mis soit 2 poids de 5 de chaque côté, soit 2,5, mais là, non. Là, je veux donner cette impulsion, je veux donner cette force, je veux donner cette rage dans mon mouvement, histoire de me lancer dans ma séance, histoire d'être bien, histoire de tout tuer, tu vois. Donc là, je mets mon impulsion, je suis bien, et je continue. Et pour chaque série, je pose la barre. Pour éviter le stress sur les poignets et de me blesser. Donc, il vaut mieux poser sa barre, changer de prise, que lancer la barre ou faire des trucs bizarres. Non, pose ta barre tranquillement, change de prise et t'es bien. Là où t'es mieux, c'est que t'as un banc. Tu vois, si j'avais un banc, il y a un banc devant moi, je pose la barre sur le banc et après la prise, elle est plus facile à prendre. Mais là, voilà, c'est au sol, c'est chiant, mais il faut le faire pour préserver ses poignets parce que c'est important. Dernière. Et après, on a fini avec ce mouvement et je peux retirer mon haut. C'est parti.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait. Allez. Largeur épaule. Une, trois, quatre, les 5, c'est rien. 6, c'est rien. 7, 8, 9, 10. Serré. Serré, serré, serré. 10, après on est bon. Une, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. On est bien. Mes bras me font mal de fou. J'arrive même pas à serrer. Oh. On va se poser et passer à l'exercice suivant. Franchement, je sais même pas où me mettre. Il y a des bancs qui sont pris de partout. Les gens, ils sont partout. Il y en a, ils sont ensemble, ils sont en train de rigoler comme une colonie de vacances. C'est très compliqué cette séance pour bien se passer. Mais je vais réussir. Je vais réussir à trouver un endroit pour la suite du programme. Là, j'ai pas un petit box à côté de moi où j'ai deux paires d'haltères. Une paire d'haltères de 20 kg et une paire de 10 kg. On va se faire du curl en prise neutre. Une latérale avec les 20 kg. On va se faire 10 répétitions et ensuite 15 répétitions avec les 10. Tranquillement, mais en double cette fois-ci. Donc on va se faire mal, on va retirer le haut, on est bien. Et puis voilà, ça va bien se passer. Je vais juste mettre mon téléphone retour caméra ici. Comme ça, je pourrais voir si je suis bien dans le cadre. On commence avec hop, les 20 kilos. Allez, c'est parti. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Six. Sept. C'est lourd. Huit. Neuf. Dix. Ok. Wow. 15 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Ça me tue aussi. Ça va me tuer. Faut juste que je baisse mon micro parce que je crois que ma barbe est... Elle frotte le micro et c'est pas bon ça, vraiment. Là, tu vois, je suis vraiment dans mon élément. Je commence avec un exo très difficile, vraiment. Et après, tout le reste, ça passe. Là, ce que je fais, c'est dur. Hein. Ça fait mal, mais ça passe, tu vois. Donc là, juste chercher la congestion, la contraction, se faire mal. Et puis, continuer comme ça. De toute façon, il me reste deux, là. Enfin non, il me reste trois. Trois ou deux. Est-ce que je fais 3 séries ou 4 séries? Là, je sors 4 séries, vas-y. Là, j'ai laissé les poids par terre, là. J'ai laissé mon téléphone par terre. Comme ça, je suis bien. Bon. Deuxième. J'ai laissé les poids par terre. Une. Deux. Allez. Trois. 4, 5, allez, 6, ouais, 7, 8, 9, 10, ok. Franchement, le plus dur, c'est ça, c'est dans la 10. Et après ça, ça va. Pour ça, on va à la 20 reps, là. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, parfait. Voilà, j'ai mal. Là, 20, c'est bien. 20, c'est très très bien. Là, franchement, ça commence à faire mal. Mais c'est pas comme tout à l'heure. C'est des bonnes douleurs. Ça fait mal, mais j'aime bien. La congestion, je sais pas si elle est là. Parce que là, je pousse sans miroir. Que les miroirs là-bas, ils sont blindés de gens. Les gens se prennent en photo et tout. Donc, je leur laisse. Tu vois? Mais je pense que quand je vais me voir après le miroir, ça va être bien. Je sens que là, j'ai mis mon meilleur haut d'intervention, le haut maille protéine noir. Donc, je pense que je suis bien. Je pense que je suis bien. Les biceps, pour moi, hein, je vais bien les bosser. 3, 4 exos, pas plus. Après, c'est bon, tu vois. C'est bon. C'est un petit muscle. Il est vraiment pas compliqué à développer. Faut juste y aller, tu vois. Faut juste y aller. Faut juste mettre l'intensité qu'il faut quand t'es dessus, tu vois. Ça fait mal, mais faut y aller. Et quand tu vas, bah, t'es bon, t'es tranquille. Tu fais ça bien, ok? Il m'en reste deux. On va les valider tranquillement. Et passer à la suite. Par contre, je suis obligé de modifier les réglages à chaque fois parce que je suis devant une baie vitrée. Je suis arrivé, il faisait jour, là il commence à faire nuit petit à petit, donc changer les réglages de la caméra, c'est chiant. Mais bon, je pense que la qualité, elle est quand même présente, et c'est le plus important. Troisième, avant-dernière, c'est parti. Allez. Une. Deux. Trois. Ok. Quatre. 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, ok, 20 reps, allez, 1, 2, je sais de contrôler un peu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça brûle. J'ai trop contrôlé là. Ça brûle. Allez, encore 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, j'ai mal. Ouais, j'ai mal, c'est incroyable. Vraiment. C'est incroyable. Oh. Là, j'ai pris un temps de repos de 4 ou 5 minutes parce que je devais mettre en ligne la vidéo immersion dos-épaule à ce moment-là, tu vois. Donc, je l'ai mis en ligne. J'ai mis un petit short en ligne. YouTube Shorts. Et puis, c'est parti hein, pour la dernière. Allez. Une. 3, 4, ok, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10, très bien, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, parfait. Oh. Là, je sens que je suis bien. Je suis vraiment bien. Oh. On a fait barre Z. On a fait neutre. Troisième exercice. Je sais déjà qu'on va me le dire, mais pour laisser en jambes à l'immersion, je peux pas les faire ici. Je peux que les faire au Basic Fit.
Là, de toute façon, il me reste quoi? Il doit me rester une semaine ou deux à Fitness Park. Et après, je serai qu'à Basic Fit parce que j'ai pris un abonnement de 1 mois. Même si que je reviendrai ici, hein. Mais ouais, les jambes, je peux que les faire à Basic Fit et encore. Je peux que les faire à Basic Fit à 6h du matin, tu vois. Enfin, l'ouverture. Parce que le truc, c'est que dans les salles de sport, les machines jambes, elles sont serrées entre elles. Et comme il y a beaucoup de gens qui font les jambes, notamment toutes les femmes font les jambes, tu vois. Si je viens avec la caméra pour faire les jambes, bah ça va déranger du monde. Vu que moi je reste longtemps, je fais 3-4 séries sur une machine. Et je reste longtemps. Du coup, je vais déranger du monde et j'ai pas envie, tu vois. Après, je peux faire une sans jambes, sans leg extension, sans leg curl, mais j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie. Faire genre des squats gobelets haltères avec des fentes avec non j'ai envie de faire du leg extension, du leg curl, un peu de presse et puis voilà. Mais je ferai ça tranquillement à Basic Fit, donc t'inquiète pas. Si à oui dames les jambes, t'inquiète pas, on va les faire aussi. Là c'est un peu tard, mais je prends mon Energy Gel tranquillement parce que je l'avais oublié, hein. J'avais oublié. Je te dis que quand je fais les bras, au début c'est dur, mais je me rends tellement vite dans le moule que j'oublie que j'ai ça, tu vois. De toute façon, après ma séance bras, je vais faire quelques contenus pour les réseaux, formats verticaux et tout, YouTube Shorts, Instagram. D'ailleurs. En parlant de YouTube Shorts, le fait d'avoir posté entre 2 et 6 shorts par jour pendant ces mois de février a monté mes vues fois 4, tu vois. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie de base. Je fais en moyenne 100 000 vues dans le mois, enfin un peu moins de 100 000 vues dans le mois. Là, il me semble que je suis à 300 000 vues, là. Le mois, il n'est pas fini encore, le mois de février. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, on va continuer à faire plus de shorts. Au niveau des abonnés, je crois que j'ai 20% d'abonnés en plus grâce aux shorts. On va continuer à faire les choses bien et on verra où ça nous mène. Tranquille. Troisième exercice de ce programme, biceps. On va rester ici, hein, parce que celle-là, il y a le moins de monde, heureusement. On va se faire du curl biceps en prise supination. On va se faire. Hop, hop, hop. On l'a déjà fait, hein. On l'a déjà fait dans mes programmes, mais j'aime bien faire ça. Ça tue, ça fait mal. On a pris 10 kilos, c'est largement suffisant. On va essayer d'aller à 10. Si on va à 8, c'est bien aussi. Mais 10, c'est mieux. OK? En 4 séries. Allez. Hop. Hop. Une. Deux. Sans savoir. Trois. 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10. OK, parfait. Parfait, parfait. Le truc, c'est que je voulais monter, mais les 12, ils sont pris. Après, c'est 15. Et 15, je ne vais pas assumer. Je le sais très bien. Je le sais très bien. Parce que là, 10, ça fait mal, tu vois. Ça fait mal. On va rester à 10. On va rester à 10. C'est pas grave. Dans tous les cas, c'est un exercice qui fait du bien. Et que là, je ressens vraiment bien mes bras. Par contre, je suis un peu frustré parce que. Là, c'est pas un miroir, là, je suis face à une baie vitrée, je me vois un peu, mais je me vois pas bien, tu vois. C'est-à-dire que je sais pas si ma congestion, elle est ultime ou pas, malheureusement. Dans tous les cas, là, je me sens moyen. Je sens que, voilà, je suis congestionné et tout, mais je me sens pas ultime, tu vois, encore. Après, je n'ai pas de débardeur, c'est pour ça aussi. J'ai un haut d'intervention, mais je n'ai pas de débardeur. Mais je sens que je suis bien. On va bientôt repartir. Deuxième, je sais ce que je vais faire. Comme là, c'est trop léger, on va rajouter une variante.
On va faire deux cœurs là à la fin, ok? Donc, hop, hop, une. Deux. Trois. Ah, ça fait mal. Quatre. Cinq. Six. Bah. Je m'arrête à huit. Sept. Huit. Ok, parfait. Si je m'arrête à 8, c'est que vraiment ça fait mal. On est bon. On est bon. Oh, le double cœur à la fin, elle est mémorable. Franchement, ça, c'est bien. Au lieu d'augmenter les répétitions et les séries sur certains exos, rajouter un petit truc comme ça fait que on reste dans le dur, on reste dans la prise de masse. On va pas bosser en endurance musculaire en mettant 20 reps et tout. Et on est bien, on est toujours dans la destruction. Et ça, c'est important. Vraiment, c'est important. Troisième. Une. Deux. Trois. 4, ça fait mal. 5, allez. 6, encore 2. 7, 8, parfait, parfait. Je vais m'arrêter à 3, hein, vraiment, mais je vais en faire une dernière quand même. Je vais en faire une dernière. Je vais vraiment avoir mal, vraiment bien bosser mes bras. Ça fait longtemps que je n'ai pas bien bossé mes bras. Du coup, on va en faire une dernière. On va bien se reposer, mais on va faire une dernière. Et j'ai tellement envie de faire une compétition de cross-training ou un truc comme ça. Tu vois, une discipline où tu cours, tu soulèves des trucs, tu recours, tu pousses des choses, tu vois. Le bodybuilding, ça m'intéresse pas. Clairement, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, clairement. Mais un truc qui met vraiment en valeur tes capacités athlétiques, j'ai envie. J'ai vraiment envie. Le foot US, là, ça fait longtemps que je suis pas allé aux entraînements. Parce qu'il y a un des coachs, là, il m'a saoulé vraiment. Il m'a fait chier pour de vrai, tu vois. C'est pas structuré là-bas, c'est n'importe quoi. Les entraînements ne. En fait, je pensais pas que, même si c'est une petite ville, même si c'est un club qui a pas beaucoup de joueurs, je pensais pas que ça allait être aussi mal structuré que ça, tu vois. Je pense que je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais je vais pas arrêter le foot, tu vois. Je vais quand même aller aux entraînements, mais je pense pas que je ferai des matchs. Honnêtement, en fait, ça me donne pas envie de me battre pour ce club, parce que le foot US, c'est un sport, tu peux te blesser bêtement pour rien, et ça me donne pas envie de partir à la guerre pour eux, tu vois. Ça me donne pas envie parce que chaque match, tu veux, c'est comme si que t'allais en guerre, c'est comme si que tu pouvais te blesser, mais c'est pas grave, faut que ton équipe gagne. Et moi, j'ai pas cette sensation-là avec eux. Si tu veux, c'est tellement mal fait, c'est tellement individualiste, c'est tellement mal géré que j'ai pas envie de risquer de me blesser pour eux. Vraiment, j'ai pas envie. Donc là, demain, normalement, j'ai un entraînement, tu vois, de foot US, mais j'ai aussi un foot en salle avec mes collègues de taf. Je suis allé en foot en salle avec mes collègues de taf. On s'amuse, on rigole, il y a du fair play, il y a de l'entraide, il y a de la bonne guerre. Je vais aller là-bas. C'est mieux. Pour mon équilibre mental, c'est beaucoup mieux, clairement. Parce que foot US, si c'est pour aller là-bas et pour gifler quelqu'un, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je suis pas venu à Saint-Étienne, je suis pas quitté Paris pour frapper des gens ici, tu vois. Et c'est quelqu'un qui mérite d'être frappé, je suis pas venu pour ça. Je suis venu pour être pisse, pour rigoler, pour faire de mon mieux, pour acheter une villa et tout. Voilà, c'est pour ça que je suis venu là, clairement.
clairement. Dernière, on fait ça bien. J'ai pris un angle un peu plus serré. Tu n'auras pas le mouvement en entier, mais tu me connais, tu sais que je fais bien mes mouvements. Allez, c'est parti. Hop. Une. Deux. Trois. Quatre. Allez. Cinq. Oh. Six. Sept. Last. Huit. Ok. On va serrer. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Oh, j'ai mal, vraiment. Franchement, pour la dernière, je voulais faire un escalier. Hein. Tu vois les escaliers que je fais comme les vidéos que j'ai fait, là, escalier, genre j'en fais une, j'en fais deux jusqu'à 10. C'est mort, les gars. Pour les bras. C'est mort. Impossible. Si je fais des escaliers là, je vais mourir. Mais pour de vrai. Donc, on va voir ce qu'on va faire pour la fin là. Pour la dernière, on va se faire un curl biceps avec rotation unilatérale. On va bloquer une seconde. Je garde les 10, hein, les mêmes poids. Mais à la fin, on va faire 10 répétitions. Et après, on prend les haltères serrés et on fait 10 répétitions. Donc, ça va faire 10, 10. Ça va nous faire mal, mais c'est ça qu'il faut. Allez. Et on va essayer de faire ça au moins 3 fois si possible. Là, je commence vraiment à fatiguer, vraiment. J'ai pas beaucoup mangé, je sens que mon corps là, il demande. On va essayer de faire ça bien. Allez. Une, deux. Ouais. Une, deux. Une. Une, deux. Une, deux. Une. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 4. Allez. 1, 2. 1, 2, 5. 1, 2. 1, 2, 6. 1, 2. 1, 2, 7. 1, 2. 1, 2, 8. 1, 2. 1, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 10. Franchement, je me suis dit que ça allait, parce que là, ça va, mais faire serrer, après, c'est chaud. Allez, on va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. On va serrer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Wow. Franchement, je t'assure. Hein. Avec les 10 kilos bloqués 2 secondes, ça va. Aller à 10, je fais mal à 11, 12, ça va. Mais juste après, quand je sais que tu dois les faire en serré, tu sens que là, c'est terminé. Donc, j'aime bien. Je l'ai même monté. Hein. À partir de 6, je vais dire, attends, mais je vais monter. Je vais prendre les 15 là-bas, c'est bon. 15, à la limite, je prends 10 pour faire les serrés. C'est mort. Pas possible. Je reste sur cette charge, vraiment. Là, tu vois, je suis pas en prise de masse. Je suis pas en sèche. Je suis en maintien. Mais j'essaie de tout filmer. Vraiment. Toutes les sens que je peux te filmer, je vais te filmer, je vais te parler, discuter un peu, échanger. Et je vais voir si je fais comme Sam Sulek ou si je numérote. Si je fais training 1, 2, 3, et on va voir. Vraiment, on va voir. C'est marrant comme défi à faire. C'est sûr que c'est du contenu qui est simple à faire pour moi, mais je vais voir si je numérote ou pas. Le fait de numéroter ces entraînements, ce qui est bien, c'est que quand tu arrives à 100, tu dis... Quand même, j'ai fait 100 trainings. C'est un délire. Tu peux te repérer plus facilement. Donc,
Franchement, je vais voir. Je vais voir si je numérote ou pas. Je vais me reposer un peu plus, mais il y a un cours de CrossFit qui va commencer là où je suis. Donc on va finir tranquillement dans un coin un peu plus sombre, mais c'est pas grave. Je pense que tu vois bien le mouvement. Et puis c'est parti. On va en faire encore deux là. Parce que là, malheureusement, je fatigue aussi, pas te mentir. Mais j'ai quand même envie de me tuer les bras. Sachant que j'ai du contenu à faire encore. Une, deux. Ouais. Une, deux. Une. Une, deux. Une, deux. Deux. Une, deux. Une, deux. Trois. Une, deux. Une, deux. Quatre. Allez. Une, deux. Une, deux. Cinq. Une, deux. Une, deux. Six. Une, deux. Une, deux. Sept. Une, deux. Une, deux. Huit. Allez. Une, deux. Une, deux. Neuf. Une, deux. Une, deux. Dix. Serré. Ah. Une, deux. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Parfait. J'ai mal. Encore une dernière. Une dernière. Et on a fini. Oh. Enfin. Et on a fini avec cette vidéo. Sinon, moi, je dois continuer derrière. Allez. Last. Last. Last one. Une, deux. Une, deux. Une. Une, deux. Une, deux. Deux. Une, deux. Une, deux. Trois. Une, deux. Une, deux, quatre. Une, deux. Une, deux, cinq. Une, deux. Une, deux, six. Une, deux. Une, deux, sept. Une, deux. Une, deux, huit. Une, deux. Une, deux, neuf. Une, deux. Une, deux. 10. J'ai une veine sur cette sur ce biceps là. Je sais pas si tu la vois bien, mais c'est incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon les gars, séance terminée pour moi. J'ai pu faire les choses bien. Là j'ai mal, hein. J'ai mal. Je vais faire une dernière série encore. Honnêtement, là je sens que. J'ai mal, j'ai d'autres contenus à faire, je sens que j'ai mal. Demain, j'ai foot avec mes collègues de taf, donc on va bien jouer. J'ai encore marqué 8 buts. D'ailleurs, la dernière fois, là, j'ai marqué plein de buts, j'étais content. Là, j'en ai marqué plein encore. J'avais mal aux genoux par contre. Donc j'essaie de ménager mes genoux pour pouvoir faire des séances jambes intenses. Et puis, voilà. En tout cas, mets un j'aime et un commentaire si t'aimes bien ces contenus. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour la suite.